Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça faisait un bail. Et là, on va être un petit peu rouillé avec Juju. Pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant un mois? Parce que c'est les vacances. Et puis Fast Ride a été très très occupé. Oui. Avec plusieurs trottinettes, plusieurs retards sur des Blue Trans, sur des Venom. Les ventes des Blue Trans et des Venom explosent. Ça prend beaucoup de temps à les préparer. Certains petits soucis qui ont été réglés du coup, mais chaque trottinette doit passer entre les mains des mécaniciens de chez Fast Ride. Notamment les Venom. Il n'y a qu'une seule Venom par jour qui est faite. C'est ça. Ah, donc quand vous comptez qu'il y a des conteneurs de 200 à 300 trottes, vous imaginez bien que c'est très très long. D'accord, les Blue Trans, c'est un petit peu plus rapide, il y a peut-être une heure d'intervention par Blue Trans. Mais ça reste les deux trottes les plus vendues à l'heure actuelle chez Fast Ride, aussi au niveau des professionnels. Oui, c'est celle qu'on vend le plus aussi. C'est celle que tu vends le plus au pro. Ouais. Donc voilà pourquoi il y a eu tant de retard. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo Whipped. Ça faisait longtemps. On va vous présenter ce joli bébé. C'est le cas de le dire. Ah, joli bébé. Je vais vous l'allumer. Je la coupe parce qu'il y a les ventilos, vous n'allez plus m'entendre. Et en même temps que vous présentez ce joli bébé, comme vous pouvez voir, il y a des Whipped qui arrivent en permanence chez Fast Ride. Je vous rappelle, les Whipped, c'est uniquement à la commande. Oui. Donc là, aujourd'hui, tu as reçu quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a reçu deux Whipped FS. Qu'on connaît déjà bien. Ouais, mais voilà, c'est possible de les recommander. Elles sont toujours en vente en Corée. Mmh. Donc là, on a deux clients qui ont commandé deux Whipped FS. Donc c'est quoi? C'est contrôleur Kelly? C'est contrôleur Kelly. C'est les pneus carrés surtout, les pneus Shinko. C'est quand même une des seules trottes qui reste en pneus carrés. C'est les contrôleurs Kelly. C'est une batterie de 72 volts et 50 ampères en cellule Samsung 50E. L'équivalent, c'est une Venom. L'équivalent, c'est une Venom, effectivement. En termes de batterie, de capacité. C'est un modèle qui est très apprécié en fait, qui est très demandé aussi. Il y a beaucoup de gens qui étaient assez tristes de savoir qu'il n'y en aurait plus. Bon, finalement, ça a repris. La différence, je crois qu'on l'avait déjà dit, c'est que maintenant, on les fait toutes venir par avion à la commande. Donc on a à peu près 4 semaines de délai. Là, il y a un petit retard sur les folds de 2, j'en profite pour vous le redire dans la vidéo, parce que les folds de 2 sont passés des contrôleurs génériques à des contrôleurs Kelly. Donc il y a eu un petit retard de... Ouais, c'est super bien, parce que pour le coup, c'est vrai que les contrôleurs génériques n'étaient peut-être pas super pour le dosage de l'accélérateur, etc. Bon, là, ils sont en Kelly maintenant, donc on attend avec impatience. D'ailleurs, il y en a une des deux là, c'est une Whipped Fold coupée. Qui sera en Kelly aussi, qui n'était pas en Kelly à la base. Nous, on en avait préparé quelques-unes en Kelly chez Fast Ride. On en a préparé 3, je crois, pour des clients qui se reconnaîtront. Il y a 3 modèles faits chez nous. Et là, maintenant, toutes les Whipped coupées et les Fold 2 sont aussi en Kelly. Tu m'avais dit que c'était un beau bijou. Vas-y, lève-toi. C'est un beau bijou. Ah, t'aimes-moi. Je vais l'avoir, celle-là. Elle est full option. Toutes les options. Voilà. Là, d'ailleurs, c'est souvent les dernières, on les avait reçues full option, la FS d'Alexandre. Ouais. La Dark Knight, la Dark Knight Cyberfold. Là, les deux FS sont sans option. Et là, celle-ci, elle est full LED. Donc, ça veut dire, ça fait combien, ça, full option? On est aux alentours de combien? Ça se dit ou ça se dit pas? Ça se dit pas. Ça se dit pas. Bon, allez, ça se dit pas. C'est pour les collectionneurs. Ah, tiens. Ah non, faut qu'on garde le carton. Oui, il faut pas qu'on abîme. Ouais, parce que ça repart. Alors, je sais pas si je t'ai dit, mais il n'y a pas de batterie. Hein. Batteries arrivent. Parce que ça arrive par avion, donc les batteries arrivent séparément. Exactement. Ça arrivera la semaine prochaine. Elles prennent un cargo. Alors, oui, je vais répondre à certains qui nous disent. Tiens, non. C'est pas possible. C'est pas possible d'envoyer les batteries par avion. Et si, messieurs, dames. Même une trotte complète. Même une trotte complète avec la batterie dedans, c'est possible. Alors, oui, bien sûr, ça ne va pas prendre un vol long courrier, un vol commercial. Ah, c'est pas 200 euros, c'est sûr. C'est pas 200 euros. C'est une petite blinde. Mais pour ça, on va être pas loin des... ça peut monter à 1000, 1500, 1800 euros. Ça dépend du poids et de la capacité de batterie aussi un petit peu. Voilà, c'est ça. C'est expédié dans des avions cargo spécifiques. Donc voilà. Donc oui, ça se fait d'envoyer par avion. Voilà la petite buvette. Voilà. Donc, bon, avant, il n'y avait pas ces pneus-là.
Il y avait des pneus, je ne sais pas si tu te rappelles, sur la coupée d'origine. Oui, c'était des pneus chinois, je ne me souviens plus de la marque. On ne les a pas gardés longtemps. Donc là, ils ont remis des pneus CST, je pense, ou le même genre. Donc Dualtron, Venom, etc. Ouais, sur toutes les grosses trottes, toutes les 11 pouces. Donc c'est du 11 pouces. La particularité de la Weped coupée, c'est que c'était des jantes fabriquées chez Weped. Donc c'est du tubeless, mais en demi-jantes quand même, avec des jointes auriques. Bon, bah, le nouveau guidon. Elle est très très belle. Nouveau guidon, LED de colonne. Je peux ouvrir, de toute façon tu vas la contrôler. Tu peux ouvrir. De toute façon, il faut qu'on contrôle tout, effectivement. Frein limite. Non, c'est les nouveaux freins. C'est un nouveau frein Weped. Ouais. Qui ressemble beaucoup au frein Dizzyland qu'on connaît chez Bronco, avec une vis de réglage, mais on va regarder tout ça. Ouais. Oh, ils sont sympas. Ils nous ont mis des chaussettes. Ah. Tu vois, je vais acheter une paire de chaussettes au père. Voilà, c'est ça, super. Donc effectivement, bon, ils ont fait brander Weped par contre. C'est bien les Dizzyland, c'est le même genre. Ouais, c'est des Dizzyland, mais qu'ils ont badgé avec la vis de réglage. C'est très bien. Donc on va pas pouvoir vous l'allumer comme on vous disait, parce qu'il n'y a pas de batterie à l'intérieur. On va recevoir les batteries dans une deuxième livraison. Mais déjà, ce qu'on peut voir, allez, je vais retirer ça aussi. Allez. Pour rappel, la Weped coupée, c'est 40 ampères, hein. Pas 30 ampères comme les foils de 10, foils de 11 ou foils de 2. On peut allumer les LED, non ? C'est une 40 ampères. On peut allumer les LED de Oui, bien vu. Ouais. Hop. Ah. Je pense que ça va être que la colonne par contre. Ouais, c'est sûr. C'est la colonne. Ouais. Tink. Voilà. Voilà. Les fameuses. Sauf que là, il y a les LED de châssis. Qui seront allumées aussi, mais quand il y aura la batterie. Qui ressortent. Et les LED calepied. Et la béquille, bien sûr. Et la béquille lumineuse aussi. Ouais. Béquille, LED de calepied. Ah, t'as vu les étriers là, j'aime bien avec le Weped. Regarde le Weped comme il est écrit. Ah ouais. Ils ont bandé. Puis le nouveau guidon. Alors par contre, il y a une petite polémique sur le guidon. Ouais. Moi, je raffole pas de ce guidon-là, mais bon, ils y tiennent. Ah, j'en raffolais pas non plus. Après, je trouve ça sympa que ce soit eux qui le fassent. Après, je le trouve trop grand, mais c'est très stable. Mais il est énorme. Ouais, quoi, il est super large. Donc plus c'est large, plus c'est stable. Bon, mais voilà. Je vais rapprocher la FS, qu'on puisse les comparer les deux, parce qu'en fait, elles sont très très proches les deux. Elles sont très proches, il y a 10 ampères d'écart en capacité, il y a 12 volts, c'est 72 volts et 60 volts. C'est un peu la routière et la Formule 1. Hein. Alors la hauteur de guidon est identique, hein. Ouais. Peu de choses près. Bon, la FS est un peu plus grande. Ouais. Un peu plus large. Elle est un peu plus large, mais probablement un peu plus lourde. Ah, c'est deux trottes similaires. Hein. C'est la famille des Fold. On a tout eu. La Fold 10, la Fold 11, la Fold coupée, la Fold mini. Ouais. On l'a faite, elle est au magasin. La Fold 2 qu'on a déjà faite aussi, il y en a d'autres qui arrivent. La Dark Knight, c'est une Fold. Et la Dark Knight Cyberfold. Voilà. Bon, on va leur présenter d'ailleurs la Dark Knight maintenant qu'on a fait ces Weped. Donc voilà, les Weped, ça arrive, il y en a pas mal qui ont été commandés, donc on s'en occupe. La relation est plutôt bien avec Fast Ride et Weped. Donc là, toi, tu reçois la batterie, montes la batterie. On assemble tout. Tu assembles tout, tu contrôles les paramètres Kelly ou tu laisses comme ça? Non, on laisse tout comme ça. Tout d'origine. Avec Weped, j'ai pas de. T'as pas de souci de paramétrage? Non. On rajoute du frein électrique sur la FS. Il faudra qu'on contrôle, voir si ça a changé ou pas. Il n'y en avait pas à l'origine. D'accord. Maintenant, on en met un petit peu, on en rajoute un peu. Ça évite de bleuir les disques, d'user les plaquettes. Et surtout, nous, je ne sais pas si c'est typique aux Français ou à l'Europe, mais on n'a pas la même utilisation des trottes qu'en Corée. Alors, Corée, on n'a pas beaucoup la même... balades. Voilà. On n'a pas la même conduite. On a une conduite beaucoup plus latine. On peut dire ça, quoi. Qu'on puisse dire. C'est sympa de dire. On a une conduite latine par rapport. C'est bien. Et oui, ils n'ont pas la même façon de conduire. Eux. Par exemple, pendant toute la durée de la vie de la trottinette, ils vont avoir les mêmes pneus. Probablement, ouais. Voilà, un bon français, en un mois, il n'y a plus rien, quoi. Un yes. Hashtag yes. On aime bien brûler de la gomme, ici. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est pas la... Ils n'ont pas la même utilisation des trottes, quoi. Ouais, en fait, pas du tout. C'est beaucoup plus en douceur. Quand ils voient certaines vidéos, ils disent, mais you are crazy. Bon, bref. Allez, on va parler de Cyberfold. Donc Cyberfold Dark Knight. Bon. Donc c'est un petit peu comme l'autre modèle qu'on avait présenté. C'était quoi le nom? C'était la Dark Knight tout court. Dark Knight tout court. Là, c'est la Dark Knight Cyberfold. Voilà.
Donc difficile. En fait, on y retrouve quoi? Les mêmes moteurs? C'est la même base. On a même quasiment le même, c'est le même châssis. Ouais. Donc toujours 72 volts et 60 ampères dans le deck. 60 ampères dans le deck, mais alors dans la batterie deck. Qui est sur le deck, elle sert à quoi? C'est une option, c'est une batterie supplémentaire. Donc ouais. S'il y a une batterie de 30 ampères, donc là il y a 90 ampères. Ouais. Sachant qu'à la différence de la Dark Knight de l'autre fois, celle-ci on peut en mettre 4 des batteries supplémentaires. Non, tu plaisantes. Non, c'est fait pour, donc on change juste cette patte. Et après il y a des sangles à mettre en fait à chaque fois, à chaque étage. Donc du coup on peut mettre jusqu'à 4 batteries supplémentaires. Et donc combien d'ampères en tout? Ça ferait 180 en tout. Oh, le monstre. C'est énorme, il n'y a même pas de moto sur le marché qui en s'amène. Mais c'est génial. Et puis avec le refroidissement liquide, donc on va pouvoir tirer dedans, même avec les 180 ampères pendant longtemps, ça va bien refroidir, il n'y aura pas de panne. C'est ça. Parce que c'est bien d'avoir une grosse autonomie, une grosse batterie. Ah ben mais là, plus on tire dedans, plus ça chauffe. Et plus après, ça consomme. Plus ça consomme. Et c'est 120 ampères, en fait, en haut. Pour les 4 fois 30 ampères, on arriverait à 120 ampères plus les 60, ce qui nous fait les 180. D'accord, ok. Ok, le compte est bon. Donc oui, c'est ça. Là, le gros intérêt, c'est que c'est prévu pour rouler vite, c'est prévu pour encaisser le couple. Bah déjà, on t'a entendu arriver, hein, ça fait un bruit, mais pff, avec ses pneus crampons, j'ai l'impression d'entendre une Sherman arriver en x10, quoi. Je dis, il y a un rack de Sherman, il y a 10 mecs qui arrivent en wheel, mais non, c'est non, juste... Non. Une cyberfold quoi. Bah, les wheelers, ils savent, hein, les crampons, c'est vrai qu'on... Tu confirmes, Kevin, hein, on entend vachement... Le pneu cross, tu l'entends de partout, quand t'es arrivé. Ah, ce qui est kiffant, c'est dans les tunnels. Ouais. Ça résonne de partout. Voilà, avec ça, t'entends plus rien. C'est une Ferrari qui arrive. Donc, bon, enfin voilà, donc c'est un petit peu comme la Dark Knight, seulement avec un siège. Voilà. La Dark Knight, si je me souviens bien, elle avait la batterie qui était là. Exactement. Et là, ils vont pouvoir en mettre en dessous. Là, la différence, en fait, donc le châssis est bien similaire. Mmh. Et la différence, après, elle se fait au niveau de la colonne de direction et de l'assise, en fait, tout simplement. Bah, on rajoute une assise et après, la partie châssis est légèrement différente ici. La base est la même. Et donc, niveau tarif, on en est où? On est proche de mon BM. Hein, C'est aussi démesuré que l'engin. Voilà. C'est-à-dire que c'est des modèles qui sont donc sans option, parce que là, pour rappel, elles sont... attention les oreilles. Full équipé. Là, on peut pas faire mieux. Ah, même les LED sur les cale-pieds. Ah bah ouais. Cale-pieds. Refroidissement donc pour les contrôleurs. Refroidissement pour les moteurs. Refroidissement liquide pour les moteurs, hein, très important. Exactement. Pompe à eau, ventilo, radiateur, enfin bref. Phare. Hop. Clignotant, feu stop. On pourrait presque... Ah oui, viens voir, regarde, on a même des clignotants là. On pourrait presque l'homologuer maintenant, voilà. Clignotants, les feux stop. Donc c'est... Il nous manque plus que l'homologation quoi. Bah oui, c'est dommage. Ça. Pour l'instant, c'est mi-drésienne, mi-trotte, mi... C'est vraiment dans un flou juridique. Ouais, total. Total, il y a des gros risques d'utiliser ça sur la voie publique. Maintenant, bon, moi j'ai eu un petit peu de chance jusqu'à présent, c'est bien passé. Non, performance, c'est 130 km/h. Performance, c'est pareil. 130 km/h, vitesse 130 max. 130 km/h constant pendant 30 constant. Minutes. Constant, voilà, ça chauffe pas, rien. D'accord. On peut rester comme ça 30 minutes ou 40 minutes, je sais plus, les tests qu'ils ont fait à 130, quoi. Ah, ils ont mis les freins d'Easyland, hein, pareil. Hein. C'est des freins d'Easyland. Niveau tarif, voilà, pour être plutôt clair, on a 9990 pour la version standard. Et la version full option, entre guillemets, donc avec une batterie auxiliaire, toutes les LED et le refroidissement liquide, on est à 14 449. D'accord. Comme la Dark Knight. 14 c'est exactement 000. La même chose. Alors, j'ai déjà en parlé à certains nouveaux sur ma chaîne, découvrent ma chaîne, genre remercie de s'abonner. Et il y a des petits commentaires de personnes qui découvrent le milieu de la trottinette et qui découvrent ces engins. Et pour eux, c'est vrai que ça fait tout de suite disproportionné de tels prix. C'est vrai que vous pouvez acheter un T-Max ou un Forza pour beaucoup moins cher. Mais je vous rappelle que c'est différent, des thermiques, d'accord ? Faudrait comparer plus cette trottinette à des motos électriques. Et allez regarder les motos électriques. Moi, je sais parce que moi, je m'achetais le BM CE04, là. Ouais. Ou regardez les Energica, les Zero. Eh bien, on est plus proche des 29 000, 30 000 euros. La bécane, même voire 34 000 euros. Donc, en fait, au final, si on compare vraiment électrique trottinette et électrique moto, eh ben, elle n'est pas si chère que ça. Si vous la comparez à une bonne vieille moto thermique, alors oui, effectivement, c'est plus cher.
Mais bon, voilà, je voulais un petit peu rajouter à ça le fait qu'il y en a peut-être, pour l'instant, il y en a deux en Europe. Exactement. Très peu, c'est une très faible quantité. Alors, voilà, alors, on ne va pas justifier le prix. On ne va pas justifier le prix, pour donner des... mais c'est vrai que Whippet, contrairement à votre moto qui va y avoir une décote, les Whippet, c'est des rares modèles que vous l'avez acheté neuf, que vous la vendez des fois clair. Deux ans après, et ben vous la vendez le même prix que vous l'avez acheté. C'est vrai. Parce qu'il y en a très très peu sur le marché, que c'est des produits qui sont très recherchés. Les Fold 10 Fast Ride, c'est le cas. Les SS, c'est le cas. Les SS GT, c'est le cas. Mmh. Ouais, c'est assez. Les FF, il y en a très peu. Des Fold 11, il y en a très peu aussi. Et les passionnés le savent. Hein. C'est souvent c'est des vrai. Passionnés hein, qui achètent ces modèles-là. Elles sont toutes vendues rapidement. Moi, j'ai un petit carnet. Pour les ventes, pour ceux qui, pour les trottes qui sont à vente de case, ouais, j'ai des gens à rappeler tout de suite, quoi. C'est pas mal les pédales. Là. Bah, on est bien dessus. Hein. Tu sais, même nous qui sommes grands, franchement, on est très bien dessus. C'est pas ridicule, quoi. Moi, j'ai déjà fait des petits allers-retours chez moi. Hein. Ouais. C'est très bien. Ça rentre dans l'ascenseur et tout. Hein. Pourtant, j'ai tu pas un énorme. Dans l'ascenseur. En travers, ça rentre pile. Non. Je te jure. Ça rentre. Et dans la rue, ça se passe. Enfin, quand bah, tu tout le monde plus, te regarde. Tout le monde te regarde. C'est moi, je suis rentré un soir où il faisait nuit là, au mois d'août. C'est tout le monde te regarde. Ouais. C'est incroyable, les gens s'arrêtent de marcher, ils s'arrêtent tous les deux roues, ils s'arrêtent au feu rouge. Ouais. Bah, en fait, c'est démesuré parce que c'est aussi beaucoup plus puissant qu'un. C'est plus puissant qu'un Scoot 125, d'accord. On va dire. Donc, c'est un peu au-dessus. Et en vitesse de pointe, c'est pas mal. C'est même les. Ah, c'est même mieux qu'un 125, ouais. Parce que moi, il y a des 125 qui sont bloqués à 110, à 100, à peine, 110, ouais. Voilà. Les X-Max, ouais, les X-Max de chez Yam, ça roule un bon 125, 130. Bah là, ouais. Voilà, on est quasiment pareil, sinon mieux. Ouais, c'est qu'un X-Max 125, quoi. C'est assez incroyable. Puis l'accel, le bruit, enfin voilà, les lumières, comme d'hab, c'est Whippet. Sur un Scoot 125, tu vas autant de l'aide. Ah non, il y a zéro, ouais. Mais je crois que en fait c'est tout simplement interdit. C'est possible. C'est tout simplement interdit. Bah beau bébé. Ouais, c'est des beaux bébés. Tu en as déjà vendu quelques-unes, je crois. Ouais, il y a une Cyberfold, bah la Dark Knight de l'autre fois, elle est en cours de vente, elle est réservée depuis. Le client est en vacances et là on a Cyberfold, t'en as deux, je pense. Une Cyberfold, ouais, que je garde pour moi, pour la boutique, et une autre Cyberfold qui est toute neuve là. Qui est emballé, il n'y a plus qu'à. Pareil, en full option, pour un furieux. Pour un heureux furieux. Oui, je fais ça. Elle pèse combien, là? On n'a pas parlé du poids. Non, ça se dit pas. Ça se dit pas, ça. Ouais, 95 kilos, mais avec 90 ampères. Et sinon, qu'est-ce qu'on parle aussi? On a oublié l'important, la nouvelle boutique Fast Ride, ou pas? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est en cours. Alors, c'est le but de cette boutique, qui est à 300 mètres d'ici. Hein. Le but de cette boutique, c'était évidemment de fluidifier le showroom de Boulevard Binot, la boutique officielle Fast Ride. Pourquoi ? Parce qu'on avait le service des commandes, les réparations rapides, il y avait tout qui était au même endroit. Plus les gyro-roues qui se développent énormément. Énormément, ouais. Pour ceux qui connaissent, la boutique, elle n'est pas énorme. Donc, fallait faire un choix là. Donc, on a fait le choix de trouver une belle boutique. On a eu une bonne opportunité là. Ouais, excellente. Donc au 6 boulevard Pershing. Paris, donc c'est Paris 17e, 6 boulevard Pershing. D'avoir une belle boutique avec vraiment plusieurs niveaux et on a pu installer les commandes, internet, l'atelier qui est énorme, avec toute l'équipe. Du coup, c'est beaucoup plus simple. Donc on espère encore dès la rentrée, une fois qu'il y aura toute l'équipe à son poste, pouvoir mieux répondre à vos attentes aussi, point de vue téléphone, mail, etc. On sait qu'il y a un petit peu de retard, mais on est là, on répond, on voit. Enfin, après, il y a aussi les embauches, il y a community manager, il y a plein de choses, il y a des personnes qui sont arrivées. On se donne les moyens de réussir et de vous satisfaire, d'évoluer encore dans le plus. Déjà, il y a Fast Ride qui a importé Bronco, Boutran, il y a une grosse Whippet. Donc voilà, mais Fast Ride maintenant importe aussi les roues. Donc ça, il y a Bégod, Kingsong, Léo Pertim, Vétéran. Les roues, on ne pensait pas que ça allait marcher à ce point-là. D'ailleurs, je vous invite tous à aller voir la chaîne de Bonheur sur scène. Je mettrai le lien là en haut. Salut Raph. Mais voilà, les roues aussi, on a été un petit peu emportés par les roues. Je crois que maintenant, on doit peut-être être même
le premier vendeur de certaines marques. Bon, c'est ce que les usines nous disent, qu'on est ceux qui commandent le plus de roues. En 6 mois, on a pris un peu d'ampleur sur les roues. Donc c'est pour ça aussi que de Kevin, c'était plutôt. Kevin, ça fait du bien. C'était quand même cool. Kevin. Merci Kevin. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait la deuxième boutique pour avoir vraiment l'espace dédié roues. Bah, tu peux aller montrer Kevin ton espace. L'espace dédié roues qui est ici, alors ça va encore évoluer. Entre toi et tout. C'est Kevin qui gère tout ça. Il y a un conteneur. Un conteneur, parce que Fast Track, ce n'est pas 5, 10, 15, 20 roues, c'est un conteneur. Donc il y a un conteneur qui arrive cette semaine. On a déjà fourni pas mal de clients en Master King Song, mais on n'avait pas assez pour tout le monde. Premier arrivage, donc on a dû prendre un autre conteneur. C'est bien et c'est pas bien, parce que du coup, on est servi en dernier. Presque les derniers. Ouais, alors quasiment. L'usine, c'est vrai que j'ai rien. C'est compliqué au début. Voilà. Là. C'est comme on commande énormément et Fast Ride a l'habitude d'acheter des roues, mais pas que. Généralement, les importateurs achètent que des roues et après les pièces détachées, c'est au secours. Et nous, on achète roues et pièces détachées. Et comme les commandes sont très importantes et qu'on regroupe tout dans un seul conteneur, eh ben, ça prend du retard. Le plus dur, c'est le lancement. Pareil, c'est toujours plus facile de préparer une petite commande qu'une grosse commande. Donc exactement. Donc c'est un peu compliqué. Puis c'est le début de, de la prise de contact avec toutes ces marques. Mais ça va bien marcher. Kevin propose tout ce qu'il faut au niveau accessoires, pédales. Bon, vous n'allez pas mettre des disques, je sais pas, sur vos roues. Mais bon, voilà quoi. On va savoir bientôt quoi. Un petit coup de frein en même temps. Bon les gars, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Hein. Désolé, on était un petit peu rouillé. Hein. C'est la reprise après un mois et demi de coupure. Comme je vous ai dit, on avait beaucoup, beaucoup de taf. Il faut un petit peu se reposer pour rattaquer de plus beau. Bon, la conclusion qui devait être super courte, super courte, comme d'hab. C'est des conclusions à la bonne source. Bon, allez, on vous dit ciao, ciao. Ouais, salut. Tu fais pas un dérapage, hein, Kevin? Ah, je savais. Ah, l'enfoiré. Je savais. Hein. Ça passe. Tu m'emmènes où? Salut les gars. Putain, on a tombé ou quoi? Oh putain. On va se casser en deux. Oh putain. Bon, je vais pas rouler vite. Hein. Ouais, merci. C'est cool. Je sais pas si j'ai mis toutes les goupilles. Oh non, il y a une voiture. Hop. Oh. Oh, c'est violent. C'est une pile. Ah ouais? T'as laissé en ça? Même pas. Combien de temps? 72. C'est 84, ouais. La tourne. Comment s'appelle déjà cette merde? Dark Knight Cyberfold. Dark Knight Cyberfold. Dark Knight comme Batman. On peut pas faire des noms plus simples. C'est la Cyberfold parce qu'elle est assise. Tu peux pas faire comme Duatron, Victor. Mais c'est que des trottinettes. Ouais, c'est plus qu'une trottinette. Ouais, c'est plus. Une draisienne. Ouais. Ils ont vu une vidéo où j'avais les chaussettes trouées ou quoi? C'est possible. Même si on est rouillé après un mois. En one shot. One shot. One shot, c'est pas mal.